شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رأيت. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous allons cependant profiter de cet instant pour nous rappeler en premier lieu de nos frères qui sont souffrants, quel que soit le degré de leur souffrance, de nos frères malades où qu'ils soient, et nous allons leur faire l'invocation que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a l'habitude de faire. Et en dehors de ça, nous allons également nous rappeler de nos frères qui ont porté la foi et qui ont rendu l'âme, qui sont déjà auprès de Dieu, malgré que nous avons toujours voulu qu'ils soient près de nous, mais Dieu les aime plus. Donc, tel que nous l'avons dit, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va rendre visite aux malades, il a l'habitude de faire cette invocation-là. Même nous ne sommes pas en face des malades actuellement, mais nous pouvons toutefois faire des salatul waib, c'est-à-dire des prières en leur absence. Donc, tel que le prophète le dit, Astaghfirullah al-Azim, رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. Nous demandons à Allah le très grand, le maître du trône immense, de vous épargner de ce dont vous souffrez. Parce que là-bas, ça, il n'a rien de grave. Tahour, ceci sera seulement une purification de vos péchés. Inch'Allah, ce sera une purification de vos péchés. Donc à chaque instant, souvenons-nous, chers frères et sœurs en islam, de leur envoyer ces invocations-là. As'alullah al-anzima, rabbal arshi al-anzim, an yashfiyakum. Donc ça c'est pour nos frères et sœurs qui sont souffrants en ce moment, que qu'Allah les protège et leur redonne leur santé, inshallah. Maintenant, lorsque nous allons voir le verset 10 du chapitre 59, Suratul Hashr, dans le Coran, il est de l'obligation de nous qui sommes porteurs de foi de prier pour nos frères qui ne sont plus de ce monde. Il est d'une obligation pour nous. Il nous appartient de dire quoi? Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان تل كل قرآن الذي بان رز بالله من الشيطان الرجيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc et ceux qui sont venus après les porteurs de foi qui ont répondu à l'appel de Dieu, qui ne sont plus de ce monde, et on doit prendre l'habitude de dire: ô Seigneur, pardonne-nous. Pardonne également à tous nos frères qui nous ont précédés dans la foi et qui sont déjà près de toi. Et ne mets aucune rancune contre les croyants dans notre cœur. Ne fais pas que dans notre cœur il existe de rancune contre d'autres croyants. Car tu es Allah le compatissant et le miséricordieux. C'est toi le compatissant, c'est toi le miséricordieux. Donc, ça là, nous demandons à Allah de leur faire grâce. Allahumma aghfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wassi' madkhalahum wa aghsilhum bil ma'i wath-thalj wal barad wa nakkihim min adh-dhunubi wal khataya kama tunqqi thawbul abyad min ad-danas. Allahumma jazihim bil hasanati ihsana wa bi sayyiati afwan wa ghufrana. Allahumma in kana muhsinin fazid fi hasanatihim وإن كان مسيئين وتجاوز عن سيئاتهم وادخلهم